Dans mes textes, je suis impoli. Consolider la base est solide. Dans ma tête, c'est la folie. À ce qui paraît, la nuit fut horrible. C'est la jungle comme un. Ah ouais, sale bâtard. Il en... Attends, il va en soirée toute la semaine. Et en fait, tu... la fin du morceau, tu parles au début, tu le féminises, ouais. Ce truc-là, pendant le morceau. Et à la fin du morceau, tu le masculinises. Et du coup, je me suis demandé, je me suis dit, c'est marrant parce que c'est comme si c'était un peu un texte assez ironique sur les femmes, un peu ouais, superficielles. Et derrière, tu finis quand même par le truc un peu masculin, comme pour dire, mais c'est comme ça que moi je l'ai pris, alors explique-moi si j'ai raison ou pas, mais comme pour dire, ouais bon, il y a aussi des mecs comme mais ça, je crois qu'en fait, alors ça, je dis elle, à la fin du son, je dis pas il, je crois, mais c'est, on entend mal. Ah ouais, ça c'est vrai, dire, parce qu'il y, y a vraiment le bâtard qui sort en, ok, je pensais que c'était j'ai en... J'ai dit, je crois que c'est, bah oui, sale bâtard, elle danse en soirée toute la semaine, c'est genre comme si... J'ai plein de potes, en fait ça vient de plein de gars, moi tu vois, qui m'écrivent ah, ma meuf elle est sortie ce week-end, nanana, ma meuf elle fait que de sortir, tout ça. Et ils pètent des plombs et tu vois, je dis mais mec, en vrai de vrai elle fait ce qu'elle veut, tu vois, si c'est toi t'acceptes, si tu peux pas accepter ça, c'est ton problème, tu vois, mais après... Parce que lui aussi il va peut-être en soirée aussi, il va faire aussi sa vie, ouais, donc chacun ça. A le droit de faire sa vie quand même. Exactement. Enfin, mais ça revient un peu sur ce que tu me disais avant là, je sais plus exactement, mais... Mais tu me disais justement bah sur l'amour, encore une fois, tu vois, moi une meuf qui me dit ouais, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, tu vois, moi je lui interdis rien, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, même en vrai de vrai, elle a tromperie, tu vois, si elle veut me tromper, c'est son problème, après, tu vois, moi je sais que j'accepterai pas, tu vois. Ça va trop te voilà, faire ça, souffrir. Ça va me faire de la peine, mais en vrai, tu fais ce que tu mais veux, elle t'es libre. Mais elle a le choix, ouais, c'est voilà. Vrai. Ouais, donc, ouais. Tu vois, et même ça, c'est compliqué à expliquer à quelqu'un de mon âge, tu vois, je pense à une femme de mon âge. Un titre aussi que j'ai bien aimé, Jungle. Alors je veux pas spolier le texte machin, mais je voulais te demander déjà pourquoi ce nom en fait, pourquoi tu l'appelles Jungle. Là, ça c'est la construction du morceau. Ok. Big up à Zach à la prod. Zach, yes. Si tu vois cette vidéo. Ah, c'est un petit Fribourg, il a 14 ans, tu ouais. Vois. Aussi jeune, mais vraiment fort. Il m'a envoyé plusieurs prods. Il est aussi à la prod de Motet avec Chias. Ok. Chias aussi un gars de Fribourg, tu vois, des environs. Okay. Un bon gars de fou. Ah bon, il est très 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 fort. Tu vois, vraiment il est chaud. Et puis bah ouais, Zach, du coup, ouais, il a fait la prod, il m'envoie la prod dans la prod, je me rappelle. J'écoute les prods et là je tombe sur la prod de Jungle, tu vois, justement il l'avait appelé comme ça la prod. Je me dis pourquoi il l'a appelé comme ça. Ouais. Et j'entends les bruits de forêt derrière. Le gars il est fou, tu vois, il m'envoie ça normal. Et j'ai dit non, trop chaud. Et du coup, bah, je l'ai laissé comme ça, okay. Parce que justement, il y a ce côté un peu jungle dans nature. La construction du. Même, je trouve que c'est. Comment, dans la manière dont le morceau est construit, c'est un peu la jungle du fou, tu ouais. Vois. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Ouais, il y a un côté un peu bordélique. Enfin, bordélique, je m'entends, ça, c'est construit. Mais il y a un côté effectivement. Il est un peu décalé, je trouve, ce morceau par rapport aux autres. Je trouve qu'il a vraiment un truc à lui. Enfin, il est vraiment, c'est un peu un ovni. Et en même temps, il est apaisant. Enfin, il y a un côté en même temps comme une balade, ouais, qui est apaisante. Moi, j'ai vachement aimé. Et j'avais l'impression d'être un peu comme dans le labyrinthe de ta tête entre tes pensées sombres puis tes pensées claires, quoi. Enfin, je sais pas si ça te parle. Et du coup, je voulais savoir un peu, c'était. Qu'est-ce que t'as voulu toi dire dans ce morceau aussi? Mais en vrai, les pensées sombres et les pensées claires, c'est exactement moi, tu vois, je suis quelqu'un que je pense beaucoup, je pense beaucoup, tu vois, je réfléchis beaucoup à un tas de trucs, beaucoup de remises en question, des choses comme ça, tu vois, où tu travailles sur toi-même pour pouvoir avancer par la suite, ouais. Mais là, tu vois, clairement, je suis plus quelqu'un de joyeux, tu vois, dans la vie de tous les jours, franchement, après ça c'est une philosophie de vie que j'ai appris, tu vois, aussi avec le temps, c'est vrai passer ou pas là. Il est joyeux en vrai tout le temps, enfin, ouais. C'est un menti. Et après, tu vois. On se connaît depuis petit, ça fait des années qu'on se connaît. Les conneries que j'ai fait avec lui, j'ai fait les 400 coups, tu vois. Ok, ouais. Ouais, donc en fait, il a l'air hyper sérieux, machin, mais c'est aussi un petit chenapan. Mais c'est ça, tu vois. il sait être sérieux quand il faut être sérieux, tu vois. C'est ça. Ouais. C'est ça, tu vois, il y a des moments pour tout, des moments où il faut bosser, tu bosses. Des moments où tu peux déconner, tu vois. Même en bossant, tu peux déconner, tu vois. Tant que le travail est fait et qu'il est bien fait en plus, tu vois. Mais dans Jungle, je trouve qu'on voit bien ces deux côtés de toi, en fait. Je trouve que ça se révèle beaucoup dans ce morceau-là, spécialement, je trouve. Bah après, tu vois, c'est, bah, comme je disais, c'est vraiment ce côté où on a tous des passages
triste, mais au final, quand tu regardes l'ensemble, tu vois, moi, je travaille avec des personnes âgées. Ouais. Quand tu regardes, voilà, je vois, des fois, ils arrivent au bout de leur vie, tu vois, et puis ils me disent, ouais, au final, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, c'est le truc que je veux vraiment pas qui m'arrive. Du coup, je suis vraiment le genre de gars, je me lève tous les matins, tu vois, en me disant, il faut que je profite, parce qu'au final, tu vois, là, là, pour moi, il me reste beaucoup de temps, tu vois, mais au final, si tu vois... Si tu laisses passer le temps... S'ils ont taffé 60 ans, tu vois, ils ont fait les 60 ans de taf. Donc au final, ils ont passé ce cap-là et... Mais ils ont été à un moment, un temps, à mon âge, tu vois, et ils sont certainement la même chose que moi. Mmh. C'est pour ça que je suis du genre à vraiment profiter de la vie, tu vois, et à kiffer. Parce qu'en vrai, si tu te prends la tête avec des trucs, au final, on valent pas trop la peine, tu vois. Tu te bouffes toi-même et... Ouais. C'est pour ça que je préfère un peu laisser le temps. Au temps. Voilà, exactement. Et puis, Kounsa, en fait, ça vient... Enfin, c'est pourquoi Kounsa, ça vient d'où? C'est quoi? Comment t'as eu cette idée de nom, L'histoire, en fait, elle est longue, d'où? Ça part. Toi, tu sais, mais toi, je suis d'ailleurs curieuse aussi, ouais. Hein, du coup, de Kiko, en fait. Pourquoi Kiko, ça sort d'où? C'est quoi? Comment? Pourquoi? Donc voilà, Christophe, toi, la même. La tête de moi, il s'appelle Christophe. Il est là, il fait le gars, il porte des survêtes, mais il s'appelle Christophe. Non. Moi, Christophe, ça vient juste parce que en Macédoine, que ma mère est macédonienne, là-bas, tous les prénoms qui commencent par Chris. Ouais. Donc, Christ, c'est diminutif, c'est Kiko. C'est juste que d'accord. C'est plus simple pour les gens. Ouais. Ouais, bah, comme nous, hein, Christophe, on va tous dire Chris. Ouais, tout à fait. Ok, Kiko, ok. Du coup, voilà. Comme ça explique ça. Bah, de base, c'était Kounsayen. Le Koun, il venait de Koundoun. Ok. Tu vois, c'est une histoire. Putain, je vais vraiment raconter cette story là. Quand j'étais petit, tu vois, ma mère, elle avait été intriguée parce qu'il y avait un truc de moine tibétain, tu vois. Et le gars là-bas, j'avais pas un cheveu sur le crâne, vraiment. C'était un truc de ouf. J'avais une boule à zéro. Et maintenant, tu vois, le moine, il arrive et il m'a appelé comme ça, tu vois. Il m'a appelé Koundoun. Et ma mère, elle a regardé, en fait, c'est genre, ça veut dire en gros la réincarnation du Dalai Lama, si tu préfères. C'est vraiment. Okay. Mais c'est un truc assez fort, je crois, chez eux. Et c'était vraiment, je crois que c'était même le surnom qu'il donnait au Dalai Lama quand il était petit. Et genre, bah du coup, elle m'a appelé comme ça et genre, elle m'a fait coudre un bonnet, tu vois, que je mets jamais, parce que star, vraiment, tu vois. J'ai rien contre le Tibet ou quoi, tu vois. C'est triste ce qui se passe là-bas aussi, tu vois. Et comme beaucoup d'endroits dans le monde, tu vois. Mais du coup, ouais. Mais t'as pas envie de porter le bonnet, quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'ai gardé le Koun. Le Koun, il vient de là-bas, tu vois, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. Et je trouvais ça un peu court. Et de base, j'avais mis le Saiyan pour Dragon Ball Z, tu vois. Pas que okay. Je suis grand fan de DBZ. Moi, je suis beaucoup plus Naruto, tu vois, en vrai. Ok, d'accord. Mais. Histoire de génération, ouais. C'est tout. C'est que, voilà. Même pas, je pense même pas. Moi, j'ai des potes à moi, ils sont trop DBZ. Mais moi, en vrai, Naruto, je me suis beaucoup plus reconnu dans le personnage de Naruto que dans le personnage, comme dans les persos que dans DBZ, tu vois. Mais ouais, du coup, le Saiyan, il vient de DBZ. Et c'était trop long. Et finalement, et j'ai raccourci en Kounsa. T'as dit, bon, allez, ok. Kounsa, en fait, tout le monde m'appelait Kounsa, tu vois. C'était... Maintenant, même, c'est Kouns. Bientôt, je vais m'appeler que K. Ouais. Bientôt, ils vont faire que de raccourcir mon blaze. Je devrais chaque fois changer. Vous êtes de ouf. Ah non, ça vient du coup, on a gagé, gardé le Kounsa. Ouais. Bon, alors du coup, moi maintenant je sais comment tu t'appelles et tout, je sais un peu comment vous êtes rencontrés, mais comment le rap, quoi? Parce que rencontrer, ok, c'est génial depuis qu'on est petit, machin, mais c'est quand vous avez dit, ouais, viens, on va faire du rap? Tu vois, c'est né comme ça ou c'est voilà? Bah, le délire, c'est que moi j'ai commencé avant lui, tu vois, j'ai commencé bien avant lui. Ouais. Mais... Vous avez le même âge, hein, tous les deux? Non. Ouais, t'as quel âge, toi? Non, pardon, ça, j'ai 17, là, je fais 18. Ah ouais, ouais, mais ça va, vous avez pas genre 10 ans de différence. Non, tranquille. Ah, non, okay. Tranquille. Mais ouais, du coup, bah, on s'est connus comme ça. Et après, ben, comme je faisais du son, lui, il a vu aussi, tu vois, un peu, il a suivi. Et puis après, il me... Comme ça, il faisait des petites impros, etc. Et d'ailleurs, bah, en fait, c'était là. Il y avait une fête. Ah ouais? Tu demandais, ouais, là, vraiment, là. Il y avait une scène, en fait, si tu veux, par là. Était posé ici. Ok. Et genre bah nous on était comme ça ici. Ouais bon il faut s'imaginer qu'en fait ouais, ici il y avait toute une structure en bois. Il y avait du monde, il y avait plein de trucs. Et du coup nous on est venu là et il pleuvait de ouf. C'était un truc de malade, il pleuvait. Et genre si tu veux là, tout le reste était couvert. Si tu veux, ça faisait comme un U. Ok. Et donc t'avais les côtés qui étaient couverts. Et lui il était au milieu, il était tout seul à tourner, il avait un groupe de rap que bourgeois justement. Et lui, il était seul à tourner. Tout seul à danser, là. À tourner pour mieux. Et je l'ai regardé, j'ai dit, ce gars, il est malade, frère. Faut que je le prenne avec moi sur scène. Bien sûr. Et du coup, vas-y, maintenant, on
backer de ouf, c'est trop bien. Et du coup, tu back, tu fais aussi un peu de, je sais pas, tu bouges, tu danses, tu chauffes les gens, tu bois, tu fais... Pour l'instant, c'est le début aussi. Pour l'instant, c'est le début, c'est tu vois. J'ai fait ma première scène, là, il y a pas longtemps, justement, avec une salle. Hein. Ok. Bon, alors, ouais. Le premier lieu. Et la première scène, c'était ta première scène pour toi aussi? Ouais, première scène. Et du coup, c'était comment alors? Moi, j'ai kiffé de ouf. Moi, j'ai kiffé. Après, je pense que, tu vois, au fil des scènes, ça va s'améliorer toujours plus, tu vois. Le stress un peu ou pas? Ouais, le stress au début, mais après, les gens, ils ont su me mettre bien, tu vois, ils ont su me poser tranquille. Après, tu vois, tu bois là, tu bois un peu, tu te rappelles. Ça te détend. Un peu. Et le fait d'être à deux aussi, ça aide beaucoup, tu vois. Ouais. Quand t'es seul sur scène, t'as beaucoup d'espace à combler, beaucoup de trucs à faire. Et au final, tu fais pas vraiment grand chose, mais ouais, du coup. Ça soutient en fait, ouais, d'avoir en termes d'énergie aussi. Ça même te pour moi, punch. Tu vois, ouais, exactement. Même pour moi, tu vois. Et on se complète bien, tu vois, on se comprend bien. C'est ça qui est kiffant avec lui, c'est que je sais qu'on n'a pas besoin de faire des heures et des heures, tu vois, d'entraînement avant de se comprendre. Tu vois, sur scène, là, je pense que la moitié des trucs, c'est arrivé sur le moment même. Et puis, au final, c'est assez naturel, passé, et fluide, ouais, en ça. Fait. C'est ça. Ouais. Et là, c'est un peu votre lieu où vous retrouvez un peu vos potes pour les pétanques. Ouais, il est chaud, lui, là. Le photographe, génial. il est chaud. Oh, ouais, le photographe, il est tout chaud. Mais là, c'est un peu l'endroit où on se retrouve aussi. Tu vois, là, t'as beaucoup d'espace. Et donc, en vrai, c'est kiffant. Et franchement, tu vois, quand il fait beau, c'est un mood de ouf. Ah ouais, c'est un délire. Donc, ça fait plaisir. Et après, bah, tranquille, hein, c'est à côté de la maison, tu vois, on n'est pas là, on est proche de tout. Tu vois, la ville, en vrai, de vrai, en basse ville, tu vois. On est bien, proche là. De tout. Et ici, il se passe des trucs de baiser, tu vois. Il y a vraiment des stories ici, le Val des Détours. Et... Ouais, là, j'ai une anecdote. J'ai la meilleure anecdote, t'es ouf. Ah ben, moi, j'aimerais bien. Là, j'ai la meilleure anecdote. Tu sais, une fois par année, il y a des gitons qui viennent se poser ici dans le quartier. Et genre, une fois, on était là-bas et tout, je me rappelle. Et tu sais, ils ont mis des toy-toy, tu vois, les toilettes. Oui, les ouais, toilettes qu'il y a sur les chantiers, ouais. Et genre, t'as mon pote derrière avec sa béquille, et il commence à basculer, tu vois, la toilette. Et ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'il y avait un giton à l'intérieur de la toilette, tu vois. Et ce qui fait que gros, le gars, je pense qu'il s'est pissé dessus en vrai. Ah, mais non! En vrai, c'est sale de ouf! Ouais. J'espère pas qu'il faisait autre chose parce que dans le mouvement, t'imagines, merci quoi! Ouais, en tout cas, il a retourné la cabine, tu vois, le gars, il est sorti et tout, il était vénère et tout. Et gros, on les voit tous débarquer. Ouais. Ils s'est mis à cavale et mon pote était en béquille et tout ça. Ils nous ont coursé à travers le quartier. Ouais. Ah, c'était dès le bord, hein. Ouais, c'était un truc de ouf! Ils vous ont chopé ou pas? Non, même pas. Ok. Même pas, mon avis. Mais tu sais, ça faisait bader quand même, parce qu'on était là, l'embrouille était un peu plus au fond, vers la route, tu vois. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui gueule. Oh, on se retourne, on voit des gars. Ouais, mais tout le monde arrivé. Tu sais, des gitans, balèzes, c'est ça. Ils arrivent quand on se course. Putain, et en vrai, nous, on était quoi? On était 4-5, ils étaient 26. On a quand même fort. Ouais, de ouf. Ça, c'est une bête d'anecdote. Bon, donc on ne secoue pas les toilettes de chantier, d'accord? Non, même si on a envie. Pas au fait des gitans, en tout cas. Non, on évite. Bah ouais, franchement, il y a grave des bons souvenirs. Tu vois, t'as les yeux, ils vont se poser sur le banc là-bas, ils observent. Mais c'est ça qui est chouette, il y a vraiment tout. C'est un peu comme à Genève, je comparais ça un peu avec le bord du Rhône. Mm-hmm. Tu vois, je sais pas si vous êtes déjà venu. Ouais. Je trouve que c'est un peu ça. Et tu vois qu'il y a tous les âges qui se retrouvent. Ça c'est peut ça. Griller des saucisses, fumer des kékés. Enfin, c'est assez cool, quoi, clairement. C'est chill, c'est ça. C'est ah ouais. C'est tranquille. Bah, moi, je vous remercie énormément. Un grand merci à toi pour ce temps, un grand merci aussi pour ce temps. Et puis du coup on se retrouve pour l'interview sur les réseaux. Et puis on se retrouve bientôt, enfin d'ici les prochains mois pour ton projet qui sera terminé, ok, qui sera validé, qui sera envoyé de partout. On mettra toutes les infos en détail et tout, vous en faites pas, vous aurez tous les liens. Ça va être un projet de baiser. Si c'est pas un projet de baiser. Regardez ça avec Curti, c'est lui qui choisira, mais la tête de WAM, c'est un projet de baiser. Yeah. Et puis on remercie notre photographe qui nous a suivi aussi toute la journée, n'est-ce pas, parce que important quand même. Il est là, et donc, papy Curti. On se revoit tout bientôt avec le projet de Kounsa. Tout bientôt, merci beaucoup à vous, on rend l'antenne. Merci à Rafi Film. Rafi Film, c'est la famille depuis longtemps, oui. On se sait. Big up à toi mon gars, on est ensemble, c'est carré. Sur la mélodie.
Raconte mon récit, je te raconte pas d'histoire. Tu sais pas ce qui se passe, une fois baisser le store. Les masques tombent quand il se fait tard. Les coups sont violents et papa est encore. Tu sais petit, la vie ne tient qu'un fil. Mais je veux pas devenir funambule. Je manie les mots, y'a que pour ça que je suis habile. Je déteste le monde une fois sorti de ma bulle. Souvent penser aux grands sont dans le vide. Pour me retenir, y'avait que la vie. J'ai compris que la mort elle était vive. Comme ma voisine mit fin à sa vie. Des amis d'enfance à présent sont sous terre. Mais sous terre, à ce qui le monde est plus beau. Plus ressenti d'envie suicidaire. Quand j'ai vu cet homme être heureux sans euros. Départis sans dire au revoir. M'en suis remis à Dieu. Peut-être un peu trop tard. Personne n'a exaucé mon vœu. Départis sans dire au revoir. M'en suis remis à Dieu. Peut-être un peu trop tard. Personne n'a exaucé mon vœu. Grandi avec l'absence d'un père. Solide sont les épaules de ma daronne. De mon quartier, t'as sucre dans les verres. Y'a 10 fois plus de tristesse que d'alcool. Pour ces cas de on faisait la paix. Plus jamais je n'écouterai ces paroles. Mes peines oubliées dans l'esther. Toi là où j'espère que tu me pardonnes. Grandi avec l'absence d'un père. Solide sont les épaules de ma daronne. De mon quartier, t'as sucre dans les verres. Y'a 10 fois plus de tristesse que d'alcool. Pour ces cas de on faisait la paix. Plus jamais je n'écouterai ces paroles. Mes peines oubliées dans l'esther. Toi là où j'espère que tu me pardonnes. J'ai entendu le rajouter sur le feu. Je n'accepterai pas leurs excuses. La femme de ta vie à tes yeux. Aux yeux d'un autre, ce n'est qu'une ex-pute. Il y a bien longtemps que je fais plus le signe de croix. La vengeance est froide, mais mes mots sont crus. Je fais mal au système comme cheval de Troie. Pas besoin de faire guetteur pour être à l'affût. En croisant les bras, bah rien ne se fait. Pour faire plus d'argent, faut faire plus d'efforts. C'est pas demain que les jaloux vont se taire. Pour fermer des bouches, faut leur donner tort. En croisant les bras, bah rien ne se fait. Pour faire plus d'argent, faut faire plus d'efforts. C'est pas demain que les jaloux vont se taire. Pour fermer des bouches, faut leur donner tort. Grandi avec l'absence d'un père. Solide sont les épaules de ma daronne. De mon quartier, t'as sucre dans les verres. Y'a 10 fois plus de tristesse que d'alcool. Pour ces cas de on faisait la paix. Plus jamais je n'écouterai ces paroles. Mes peines oubliées dans l'esther. Toi là où j'espère que tu me pardonnes. Grandi avec l'absence d'un père. Solide sont les épaules de ma daronne. De mon quartier, t'as sucre dans les verres. Y'a 10 fois plus de tristesse que d'alcool. Pour ces cas de on faisait la paix. Plus jamais je n'écouterai ces paroles. Mes peines oubliées dans l'esther. Toi là où j'espère que tu me pardonnes. Zack, 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 Zack.